sommes l'entraide Saint-Augustin, 9 et 14. Direction Péra par les souterrains. Ouais. C'est parti. Je pense que ça va être compliqué. Franchement, après, le chrono. Vers Saint-Lazare directement. Ah, là il y a la 9 qui passe. Ligne 14, légèrement centrée de la gare Saint-Lazare en elle-même étant donné du manque de place dans les sous-sols du quartier. Diriger vers la gare Haussmann du RER E, qui n'est pas dans la gare Saint-Lazare en elle-même, pour une fois, pour une raison de manque de place. Juste à côté, on a les quais de la 13.
sage? Station Aubert, située sous la rue de même nom, en passant d'abord par la station de métro avec correspondance sur la 3 et la 9, dénommée Havre-Caumartin. Pour vous dire, cette vidéo est sponsorisée par le Pass Navigo Île-de-France, le seul meilleur type de transport parisien. Que ferais-je, que deviendrais-je sans mon Pass Navigo? Martin.
avancer quelque peu, redescendre immédiatement. Gare Aubert avec le RER A, comme sur le Port Salut. Toujours des travaux, mais elle est ouverte malgré tout. Là, ça sera la bonne voie. Très grande la gare d'Aubert. Très long quai, même toute la longueur quasiment de la rue d'Aubert. De la 8, station Opéra. On a fait. Voilà.
pipi. Et voilà, derrière moi, le magnifique Opéra Garnier. Défi réussi. Saint-Augustin vers Opéra. C'est pas juste qu'un énorme même, c'est parfaitement faisable. Voilà. Je vous dis à l'année prochaine, décembre 2022.